Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes erreurs que plusieurs personnes commettent lorsqu'ils se lancent dans la location de voitures. Nous allons parler en première partie d'un statut que je vous déconseille et en deuxième partie des erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsque vous vous lancez dans la location de voitures. Quand je fais le bilan aujourd'hui en tant que hôte sur les plateformes d'autopartage, j'ai plus de 2000 locations à mon actif. J'ai appris une tonne de leçons. Malheureusement, beaucoup d'entre elles sont dues à une perte d'argent ou à des erreurs géantes. Mais la réalité est que la plupart des erreurs que j'ai commises dans mon parcours auraient pu être évitées. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Ce sont des choses que je sais avec certitude qui m'auraient permis d'épargner une tonne d'argent. Et à long terme, il m'aurait permis de rationaliser et de faire évoluer mon entreprise plus rapidement. Et cela aurait forcément faire de moi un autre plus performant dans l'ensemble. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Zaïd Lawani et je suis entrepreneur. Je vous souhaite la bienvenue à Du Salariat à l'Entrepreneuriat. À plusieurs reprises durant ce parcours que j'ai commencé en 2018, j'ai failli raccrocher, j'ai failli abandonner parce que, vous le savez tous, aucun business n'est un fleuve tranquille. Aucun business n'est sans risque. Aucun business ne vous garantit de gagner de l'argent sans prendre de risque. Loueur de voiture. Faut-il choisir la micro-entreprise au moment de créer votre business de location de voiture? Vous devez passer par l'étape du choix du statut juridique de votre entreprise. Le statut d'auto-entrepreneur a ses obligations assez limitées. Pas de comptabilité nécessaire et la création de la structure est faite directement en ligne. La micro-entreprise pourrait sembler être intéressante. Avant de sauter le pas, il y a tout de même quelques petites choses qu'il faut que vous sachiez, histoire d'être sûr de faire le bon choix. La toute première, la micro-entreprise ou le statut d'auto-entrepreneur limite le chiffre d'affaires possible. Vous vous voyez déjà flamber sur la Côte d'Azur, il faudra sans doute revoir vos ambitions à la baisse. Si vous optez pour le statut d'auto-entrepreneur, plus sérieusement, faire fonctionner une agence de location de voitures nécessite de générer pas mal de chiffres d'affaires afin de pouvoir payer toutes vos charges qui seront certainement nombreuses. Loyer du local commercial, les parkings, l'entretien des véhicules, l'assurance, les salaires si vous décidez d'embaucher. Le statut de micro-entrepreneur est cependant conditionné à un plafond de chiffre d'affaires qui est de soit 12 600 euros hors taxes pour activité commerciale. Si vous allez au-delà, pendant les 2 années consécutives, vous passerez alors au régime fiscal de l'entreprise individuelle. Donc, si vous envisagez de faire plus de chiffre d'affaires par ambition ou parce que vous avez des charges à couvrir, la micro-entreprise ne sera pas adaptée. De plus, si vous souhaitez vous lancer, une autre erreur qu'il ne faut pas faire, ne faites pas l'impasse sur la rédaction de votre business plan et de votre prévisionnel financier. Un autre gros point sur le statut d'auto-entrepreneur, c'est que vous n'aurez pas de déduction des charges en auto-entreprise. Vous pouvez très bien être loueur de voiture avec 2 ou 3 véhicules dont vous assurez la gestion de façon totalement indépendante en limitant tant que possible les dépenses. Il vous restera cependant des charges incompressibles telles que l'assurance ainsi que les dépenses marketing qui peuvent bien entendu varier. Il vous faudra également casser la tirelire pour constituer votre flotte. Bien que vous disposez de plusieurs options de financement entre la LLD, la location longue durée, la LOA, la location avec option d'achat ou leasing, le crédit ou le financement sur fonds propres, mais dans tous les cas, quelle que soit la taille de votre agence de location de véhicules, le fait est que vous ne pourrez pas déduire vos charges. Si vous optez pour la micro-entreprise, le statut d'auto-entrepreneur, les frais d'entretien et de maintenance que vous externalisez, vous ne pourrez pas le déduire. Le montant de l'assurance de la flotte, vous ne pourrez pas le déduire. Alors que si vous créez votre agence de location de voitures sous le statut de société, vous pourrez déduire des impôts, les loyers acquittés pour le local commercial ou encore les loyers de vos LOA ou de vos LLD si vous avez choisi un des modes de financement pour constituer votre flotte de véhicules. Les charges liées à la gestion d'une flotte de véhicules peuvent être déduites du bénéfice soumis à l'impôt. En micro-entreprise, le régime fiscal simplifié
ne permet pas la déduction des charges car c'est un abattement forfaitaire qui s'applique. En cas de charges importantes, il peut donc être plus rentable de passer au régime réel d'imposition. Une troisième raison pour laquelle vous ne devez pas choisir le statut d'auto-entrepreneur pour faire de la location de voiture, c'est que vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Quand vous achetiez des véhicules neufs ou d'occasion pour constituer votre parc de location, vous payerez une TVA à l'État. Encore une charge, me direz-vous. Oui, sauf que vous pourrez récupérer cette TVA ou la déduire. C'est ce qu'on appelle la TVA récupérable. Pouvoir récupérer la TVA est ainsi plus avantageux lorsque vous réalisez des dépenses conséquentes pour votre activité professionnelle, comme des véhicules par exemple, ou encore s'il s'agit de véhicules de luxe ou de véhicules premium. Le micro-entrepreneur ne facture cependant pas la TVA et ne la récupère pas non plus. S'ils n'ont pas opté pour le régime réel, et tant qu'ils ne dépassent pas le seuil de chiffre d'affaires de 34 400 deux années de suite. Encore une fois, le statut de micro-entrepreneur ne permet donc pas de déduire des charges. À garder en tête, si vous voulez proposer des véhicules Mercedes, BMW, Audi, bref, des véhicules premium en location pour générer un plus gros chiffre d'affaires, vous ne pourrez pas récupérer la TVA. Quatrième raison pour laquelle je vous déconseille de choisir le statut d'auto-entrepreneur, la comptabilité semble être allégée. Mais en réalité, regardons les avantages et les inconvénients de la comptabilité des auto-entrepreneurs. Il n'y a pas plus simple comme comptabilité quand vous êtes en micro-entreprise. En dehors des activités de vente et de prestations d'hébergement, il suffit de tenir un livre de recettes, c'est-à-dire d'avoir un logiciel de facturation qui fait bien son travail et basta. S'il fallait le rappeler, la création de devis, de factures, de contrats de location est aussi obligatoire pour toute activité de location de véhicules. Cette comptabilité simplifiée suppose cependant qu'il n'y a pas d'amortissement à considérer. Vous ne pourrez donc pas déduire la valeur résiduelle de vos investissements. En résumé, quand vous achetez un véhicule pour compléter votre flotte, vous n'aurez aucun moyen de réduire fiscalement cette dépense. Vous l'aurez compris, la micro-entreprise ne peut être intéressante pour une activité de location de voiture que si les charges et les dépenses sont limitées. Autrement dit, ce statut n'est vraiment pas avantageux. Je veux dire par là, n'est vraiment pas rentable pour ce type d'activité et vous risquez de vous arracher les cheveux pour essayer de joindre les deux bouts. À mes débuts, j'étais plutôt partisan de l'achat de véhicules bas de gamme, économiques, des véhicules standards. C'est avec certitude un modèle économique qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Cela s'applique à chaque type d'auto sur les plateformes, quelle que soit votre zone géographique, le type de véhicule que vous louez, le type d'entreprise que vous exploitez. Gardez une trace écrite de toutes vos dépenses et de tous vos revenus. Un peu comme une colonne d'actifs et de passifs si vous avez déjà fait de la comptabilité. C'est quelque chose d'incroyablement important. Donc, vous devez avoir un cahier de charges où est noté toutes vos dépenses sans exception. Les dépenses en carburant, les réparations, les entretiens des véhicules, combien cela vous coûte, combien vous dépensez pour changer vos pneumatiques. Toutes ces choses sont si importantes et la raison pour laquelle je pense qu'il est important de les suivre très tôt, dès le départ, c'est que cela vous permet de savoir si l'activité que vous avez commencée est rentable ou pas. Si cela en vaut vraiment la peine pour vous et elle vous permet enfin de pouvoir être sûr que cette activité complémentaire que vous avez commencé vaut vraiment la peine que vous y passez du temps. La réponse avec certitude sera oui. Donc, prenez un compte bancaire uniquement pour l'activité. Ne mélangez pas le compte qui sert à vos opérations de tous les jours avec le compte dédié à cette activité. On prend une assurance pour se protéger, se prémunir d'un risque. Donc, la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que selon vous, vous êtes censé dire à votre assureur que vous louez vos véhicules sur des plateformes d'autopartage? Je suppose aujourd'hui que vous êtes particulier, pas en société. Parce que oui, une société de location de voitures, son assureur sait qu'il loue des véhicules. Aujourd'hui, moi, j'ai une agence de location de voitures et mon assureur sait que je loue des véhicules. Mais toi, qui commences en particulier, est-ce que ta compagnie d'assurance est censée savoir que tu utilises ce véhicule
pour de l'autopartage? La question, elle est tout de suite répondue. L'assureur ne va pas être d'accord que tu prennes des risques sur un bien que lui, il assure. Je ne vous demande pas d'aller mentir à votre assureur. Je vous dis simplement de faire économie de vérité parce que l'assureur ne peut pas accepter prendre des risques pour un locataire qui ne connaît pas. Donc, aujourd'hui, si vous êtes sur les plateformes d'autopartage, faites économie de vérité. Je ne vous demande pas de mentir. Je vous demande de faire de la rétention d'informations. Vous louez votre voiture sur les plateformes d'autopartage. Durant tout le trajet, lorsque le locataire prend votre véhicule jusqu'à la fin de la location, vous êtes assuré par l'assurance de la plateforme. Donc, à votre niveau, vous ne prenez aucun risque. La seule fois où votre assurance va intervenir, c'est hors location. C'est-à-dire que votre véhicule a peut-être été vandalisé pendant qu'il était garé. Mais durant toute la location, la plateforme GetAround a son assurance qui couvre. Donc aujourd'hui, toi qui commences, ne commets pas l'erreur d'aller voir ton assureur et de lui dire « Je veux louer mon véhicule sur les plateformes d'autopartage. » Si tu le fais, ton premium va augmenter et tu n'as rien à gagner en les informant. Fais simplement de la rétention d'informations. Développer des relations avec toutes les personnes qui interviennent dans votre activité. Je veux parler des garagistes, je veux parler des carrossiers, je veux parler des mécaniciens, je veux parler de tout ce qui est parking, des vendeurs de véhicules, toute personne qui intervient dans la chaîne de valeur de ce que vous apportez comme service à vos clients. Vous ne pouvez pas imaginer tous les bénéfices que vous pouvez en tirer quand vous avez un réseau. Premièrement, le gain de temps sur la durée de réparation et aussi le gain d'argent sur les négociations que vous pouvez faire avec votre mécanicien habituel ou votre carrossier habituel. Vous pourrez négocier des remises parce que vous leur apportez une grosse activité. Parce que vous n'êtes pas comme un particulier qui a un seul véhicule. Donc, à chaque fois que vous aurez un souci, il sera celui-là qui est en train de réparer le véhicule. Je veux parler des petits soucis, pas de gros soucis. Parce que j'ai fait une vidéo où j'expliquais que quand il s'agit de gros dégâts mécaniques surtout, je vous conseillerais d'aller chez le concessionnaire. Mais quand c'est des petites pètes, vous pouvez aller chez le garagiste du quartier. Ou bref, celui avec qui vous avez pu sympathiser. Au lieu de payer des sommes faramineuses chez le concessionnaire. Comme tout projet d'entreprise, afin de mettre toutes les chances de votre côté, il est indispensable de passer par la case réflexion stratégique. Et c'est là qu'intervient le business plan. Passer du temps sur votre business plan vous permettra de répondre à pas mal de questions qui impacteront la gestion de votre flotte. Notamment, quel véhicule choisir pour constituer votre flotte de location de voitures? Vaut-il mieux de se lancer en tant que personne physique ou personne morale? Est-ce une bonne idée d'acquérir des véhicules par le biais d'une location longue durée, une LOA, ou quel type de financement est le plus adapté à votre profil? Est-il gérable de proposer des services spécifiques tels que la location avec siège de bébé, avec des glacières? Pouvez-vous gérer l'entretien de vos véhicules en interne ou vous devez externaliser la maintenance? En fait, la moindre des décisions que vous prendrez quant à votre activité impactera la gestion de votre agence au quotidien. Si vous décidez d'être franchisé, par exemple, la franchise dont vous dépendez vous offrira pas mal de soutien en termes de marketing, en termes de formation. Si vous optez pour une LLD, qui est une location longue durée, vous pourrez vous éviter une bonne partie de la charge mentale liée à la gestion, les contrats des LLD prenant en charge l'achat, l'immatriculation, la souscription des assurances, l'entretien et la maintenance des véhicules. Choisir de proposer de la location sans avoir déchiffré toutes ces questions et travailler sur votre business plan préalablement au lancement de votre activité, vous naviguez donc à vue. Le conseil que j'ai pour vous est de vous en tenir à ce que vous maîtrisez. C'est quelque chose de très important lorsqu'il s'agit de location de voiture. Il y a beaucoup de directions différentes dans lesquelles vous pouvez aller. Vous pouvez louer une variété de types de véhicules différents. Vous pouvez louer des voitures électriques. Vous pouvez louer des véhicules haut de gamme. Vous pouvez louer des voitures standard. Vous pouvez louer des utilitaires. Mais ce que je vous conseille, choisissez votre niche et restez dans votre niche. Développez-la et allez jusqu'au bout de son potentiel. Mais lorsque vous faites tout type de véhicule,
il est très difficile de trouver le meilleur véhicule adapté à votre zone géographique. Aussi, de trouver le meilleur deal lorsqu'il s'agit d'achat de véhicules. Il serait alors très difficile d'être efficace car vous avez éparpillé votre énergie dans tous les sens. Et cela ne vous permettra pas de réduire certains coûts. Si j'avais 20 modèles de véhicules différents dans ma flotte, il me serait très difficile de gérer efficacement mon entreprise parce que je ne pourrais pas être un expert sur chaque modèle différent. Mais en me tenant uniquement à des véhicules premium, je suis devenu un expert au point de gérer efficacement mon entreprise, ce qui me permet de générer de bonnes marges de profit élevées. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas expérimenter d'autres types de véhicules. Vous pouvez avoir d'autres modèles de véhicules que vous testez et qui peuvent performer correctement. Mais je vous conseille de le faire avec prudence, tout en vous concentrant sur ce que vous maîtrisez vraiment. C'est certainement là que vous trouverez le plus de succès. Les véhicules sont des biens qui déprécient. Ce n'est pas comme de l'immobilier qui s'apprécie. Bien qu'on est dans un climat aujourd'hui qui permet à certains véhicules d'apprécier en valeur. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo et je prendrai un exemple spécifique. Mais comprenez simplement qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un véhicule, le véhicule déprécie. Donc, ce que moi, je vous conseille de faire lorsque vous commencez cette activité avec votre véhicule, d'abord, c'est d'acheter le véhicule correctement, de l'acheter en dessous du prix du marché minimum. Ensuite, chaque mois, je vous conseille d'aller sur les différents sites de vente de voitures et de faire simplement des recherches pour avoir une idée de la cote de votre véhicule. Si aujourd'hui, le véhicule, il est de 2020 et qu'il a 50 000 km, dans un mois, il aura combien de kilomètres? Il faut aller voir combien le même véhicule identique se revend. Ce qui va vous permettre de pouvoir avoir une idée claire de comment votre véhicule est en train de déprécier. Et une fois que vous voyez qu'il y a un gap, vous vendez rapidement le véhicule. Ou simplement, si vous voyez que vous avez fait une bonne affaire dès le début, vous gardez le véhicule jusqu'à ce que vous le remboursez. Et après, vous pouvez le revendre pour gagner la différence. Une autre chose que je n'avais pas compris qu'il fallait faire dès le départ, c'est faire de la veille concurrentielle. De quoi je veux parler? Vous êtes censé regarder 2 à 3 fois dans la semaine le prix de vos véhicules et le prix de vos concurrents. Modifiez cela pour que vous soyez en tête de liste. L'erreur que je faisais à mes départs quand j'ai commencé, c'est de mettre un prix et d'oublier, de laisser ça. Je pensais que ça allait tourner tout seul, quoi. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Tu dois toi-même aller vérifier à chaque fois. Ça va te prendre quoi? 30-40 minutes à chaque fois, 2 ou 3 fois par semaine. Mais c'est indispensable pour que tu puisses optimiser tes prix. La veille concurrentielle est indispensable. Donc, retiens que nous sommes dans une activité saisonnière et qu'il y aura des basses saisons et des hautes saisons. Un peu comme aujourd'hui, quand tu veux acheter un billet d'avion, le même billet d'avion en décembre va coûter 4 fois plus qu'il ne coûterait en février. En basse saison. C'est pareil pour les hôtels, c'est pareil pour les compagnies aériennes. Donc, comprenez que nous sommes dans une activité saisonnière et qu'il y a des hauts et des bas. Et que tous les 12 mois de l'année ne sont pas identiques. Il y a des mois où votre objectif sera uniquement de rentrer dans vos chiffres. Moi, il y a des mois où tout ce que je veux, c'est obtenir le chiffre d'affaires pour payer mes parkings, l'assurance et les traites de banque. Parce que c'est des mois difficiles. Ce n'est pas sur ces mois que tu vas te faire ton cash. C'est pareil pour une compagnie aérienne qui vend le même billet Paris-New York en février à 300 euros. Et en décembre, va vendre le même billet qu'il a vendu en 300 euros en février. En décembre, il le vendra pour 1300. C'est pareil. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de poser un pouce de satisfaction si vous avez apprécié la vidéo, de laisser un commentaire si vous avez un sujet particulier que vous voulez que j'aborde. N'oubliez pas de vous inscrire au challenge Crédit Car Cash. Le lien se trouve en bas dans la description. D'ici là, prenez soin de vous. Vivez, non survivre, soyez prospères.